Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Action. Alors, je suis allée à Action ce matin, très sage, mais alors très très sage. J'y suis allée pour des feutres. Donc je voulais prendre trois sortes de feutres. Et en fin de compte, j'ai acheté qu'une seule sorte de feutre. Je vous explique pourquoi. Alors, je voulais acheter les nouveaux feutres. Je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, c'est les feutres magiques. Je les avais pris, je les avais mis dans mon panier. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je sais pas ce que je vais en faire. Donc je ne les ai pas pris. Voilà. Donc les feutres magiques, c'est des feutres. Alors vous avez deux pointes. Vous avez une pointe pour colorier. Et la deuxième pointe, vous refaites un dessin dans votre coloriage. Et ça fait le dessin, mais dans une autre couleur. Voilà. Donc je me suis dit, ça ne va pas m'intéresser. Je ne vais pas m'en servir. Donc voilà, je ne les ai pas pris. Les deuxièmes, c'était les feutres pinceaux aquarelles. Ils sont vendus par deux. Donc là, c'est pour ça que je ne les ai pas pris parce qu'ils étaient à 1,49 €. Donc je verrai plus tard, un peu plus tard, si je les ai encore, bien sûr. Donc il n'y a que deux pinceaux par paquet. Et c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Donc là, je verrai plus tard. C'est des pinceaux. Oui, c'est des feutres pinceaux aquarelles. Et donc là, je verrai plus tard. Parce que deux pour 1,49 €, il y a plusieurs couleurs. Donc ça me. J'ai dit non, je vais attendre. Alors, sinon, aujourd'hui, j'ai pris les brush marker. Oui, brush marker liquide watercolor. Voilà. Donc, cela. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais vous les montrer un par un. Alors, cela, c'est des feutres, c'est des marqueurs liquides pour l'aquarelle avec une pointe pinceau. Alors, hop. Donc, d'abord, voilà, la gamme violette, la gamme marron et un noir, la gamme de vert, la gamme jaune et orange, la gamme de bleu et la gamme de rouge et rose. Voilà. Alors, on va les essayer. Mais avant, je vous montre un autre article que j'ai pris. Alors, ces feutres sont à. Ils sont où? 99 centimes. Voilà. Pour les quatre feutres. Et ensuite, j'ai vu. Alors, je pense que c'est nouveau parce que je ne l'ai pas vu la dernière fois que je suis allée à Action. C'est un kit d'aquarelle, donc c'est un kit d'encre aquarelle. Voilà. Voilà. Alors, vous avez avec. Alors, je vais regarder derrière. Alors, vous avez de la peinture aquarelle ici. Donc, de la jaune, de la bleue et de la rouge. Vous avez un autre flacon ici. C'est des paillettes, c'est un gel paillettes, paillettes liquides argentées, voilà. Vous avez encore dedans aussi un pinceau, une petite coupelle et il y a deux panneaux de toile, de tableau.
Alors, on va regarder ça. Je vous baisse, ça ira mieux pour regarder. Donc ça, j'ai payé 2,59 €. Voilà. Je vous baisse. Donc voilà, la boîte. Alors, j'ai ouvert ici. Alors voilà, étoile. Ah oui, il y a déjà les dessins dessus. Vous voyez? Donc là, c'est des fleurs avec un papillon. Et ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ce sont des fleurs. Voilà. Et donc avec, on a la petite coupelle. Oh là, il paraît bien grand le pinceau aquarelle. Ah oui, il est vraiment très grand par rapport aux autres. Alors, regardez. Par rapport à celui que j'ai, il est vraiment beaucoup plus grand. Donc voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, on a j'arrive à l'enlever. Donc ça, c'est des paillettes. Voilà. Voilà, vous n'allez pas bien voir, hein, mais bon, c'est du liquide glitter. Donc là, encre aquarelle. Donc, ça a l'air d'être plutôt orange que rouge. Ouais, c'est orange ça. Là, le bleu. Et ici, donc le rouge. Il paraît foncé, mais c'est bien rouge. Hein. Et donc la petite coupelle est peut-être collée. Voilà, donc la petite coupelle ici pour faire nos mélanges. Donc je vous ferai un petit tuto. Je regarderai. Alors en français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Choisissez votre toile imprimée, commencez la préparation, versez quelques gouttes de chaque couleur et de paillettes dans un godet de votre palette en forme de petites fleurs. Il faut laisser un godet vide entre chaque couleur. Ok. D'accord. Donc voilà. Donc ça, bon, c'est un petit kit comme ça, bon, c'est pas amusant. Je verrai ce que ça donne. Je le ferai demain. On va le remettre dans sa boîte. Je le ferai demain et comme ça on verra ce que ça donne. Hop, on va le mettre là. Et maintenant, donc les feutres aquarelles, je vais prendre un papier, enfin un petit bloc. Voilà. Je prends mon bloc Zenacolor. On va voir si ça va là-dessus. Allez, on va essayer les verts.
Il n'y a pas besoin de les secouer, il n'y a pas de billes. Donc voilà la pointe. Alors je vais prendre voir si on peut mélanger. Bon, là mon papier se prête pas trop à ça, mais voilà. Voyez, il est bien aquarellable. Bon, le papier va pas. Hein. Faudrait que je prenne mon papier d'aquarelle parce que celui-là, c'est pas un papier d'aquarelle. Voilà. Ça ira mieux là-dessus. Ah, il y a encore des dessins à moi là. Là, c'est un dessin. C'est pas un coloriage. De temps en temps, vous voyez, je m'amuse à dessiner. Là. Là aussi. Allez, on va réessayer. Voilà, ça va mieux sur ce papier-là. Voyez, c'est pas mal. Je vais peut-être vous... Continue encore. Voilà. Donc c'est pas mal. On va prendre une autre couleur peut-être. Essayer un rouge. On va prendre un rouge comme ça. En tout cas, ils vont bien à étaler. Hein. Superbe. Non, mais ils ont l'air pas mal. Bon, il faudra que je vois sur des autres papiers, par exemple sur du coloriage, si ça va. Je vais prendre un peu mon coloriage justement où je fais mes... Vous savez, où j'essaye. Alors. On va essayer sur celui-là. Allez, on va essayer avec le rouge.
Voyez, ça, le carnet de coloriage, ça marche moins bien. Ouais. Ça fonctionne moins bien. Non. Là, c'est pas. Regardez, voyez. Ça se dilue beaucoup moins bien. Donc, c'est pas tellement fait pour nos livres de coloriage. C'est dommage. Bon, là, j'ai un papier, un cardstock qu'on va voir. Non, ça se dilue un tout petit peu, mais non. Vous voyez, ça reste. Non. Alors, je vous montre. Voyez la différence. Là, sur le papier aquarelle, et là, sur le papier cardstock, par exemple, ça se dilue pas, beaucoup moins. Et sur le cahier de coloriage, ça se dilue pas non plus. Donc, ce sont des feutres qu'il faut utiliser sur du papier aquarelle. Voilà. Alors, par exemple, comme maintenant, on a notre papier carbone. Pour reproduire des dessins, bah, l'idéal par exemple, c'est de reproduire un dessin qui vous plaît sur du papier aquarelle et de vous servir des feutres donc sur le papier aquarelle. Voilà, on va encore en essayer un, le rose par exemple. Le rose est très clair. Ouh, il est clair. C'est un rose très très clair, donc je sais pas si je vais vraiment. Bon là, vous, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose parce que là, il est très très clair. Mais bon, il se dilue bien. Donc pour vous montrer à vous, je vais essayer un autre. Un bleu. Allez, on essaye un dernier. On va prendre un bleu. Un bleu tout joli. Et voilà, là, voyez, sur le papier aquarelle, ça va tout seul. Voilà. Donc, résultat, ce sont des feutres qu'il faut utiliser que sur du papier aquarelle. Voilà. Si on veut les diluer, donc si on veut les aquareller. Si vous ne voulez pas les aquareller, ben dans ce cas-là, vous pouvez les utiliser sur n'importe quel papier, bien sûr. Mais comme c'est des feutres aquarelles, donc ceux-là ne vont que sur du papier aquarelle. Pas comme les autres feutres aquarellables que Action a déjà sorti, que ceux-là vont sur n'importe quel papier. Donc ceux-là ne vont que sur du papier aquarelle. Donc dans ce cas-là, vous faites, voilà, avec ce papier-là,
vous imprimez votre dessin, vous faites votre dessin et puis vous coloriez après sur votre papier aquarelle votre votre dessin. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de voir l'usage de ces feutres. Demain, je vous ferai une vidéo sur le kit watercolor. Voilà, on verra aussi ce que ça donne. Et là, je vais maintenant vous faire un gros bisou. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les laissez en commentaire. J'y répondrai très avec plaisir. Et maintenant, je vais vous laisser. Plein de bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.